devant les juges est-il renouvelable? No, judges must step down. Non, les juges doivent se retirer après la fin de leur mandat de 9 ans et ne peuvent être réélus. La question qui m'a intriguée un peu sur le procès, c'est le terme de co-auteur de crime indirect. Et j'étais venue pour voir les auteurs du crime direct. Monsieur Gbagbo est accusé d'avoir conjointement avec des membres de son entourage immédiat adopté une politique et un plan commun. Et nous démontrerons que des attaques ont été dirigées de façon systématique et généralisée contre la population civile par les forces placées sous son contrôle en exécution de cette politique. Comme vous le savez peut-être, Simone Gbagbo est déjà sur le coup d'un mandat d'arrêt rendu public le 22 novembre 2012. Nous nous intéresserons aux principaux responsables au vu des éléments de preuve que nous avons recueillis et que nous continuerons à recueillir en toute impartialité. Le bureau continuera d'enquêter et d'engager des poursuites indépendamment de l'appartenance politique des intéressés. D'autres affaires seront engagées. L'avocate, qui a désigné l'avocate? L'avocat des victimes. Il a dit, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les victimes? Les juges désignent les représentants légaux des victimes après obtention des recommandations du greffe de la Cour. Ces recommandations sont basées sur un certain nombre de critères objectifs, dont l'avis des victimes, l'expérience en droit pénal et procédure pénale, ainsi que la connaissance du pays, de la culture, de la langue utilisée par les victimes et la capacité du représentant légal à communiquer avec ses clients.